La légende du Bison Blanc. Il y a très, très longtemps, les tribus lakota se rassemblèrent pour leur grand fête d'été, comme elles le faisaient chaque année, quand la terre était couverte de verdure, que l'herbe était haute et que les plaines regorgeaient de gibier. Cette année-là, pourtant, le gibier restait introuvable et le peuple avait faim. Parmi les sept tribus rassemblées se trouvaient les Itasikos, les sans-arcs. Ils étaient affamés et ils cherchaient désespérément des bisons. Le chef, standing hollow horn, corne creuse dressée, choisit parmi ses guerriers deux jeunes hommes qui furent chargés de partir en éclaireur à la recherche de gibier. Ils poussèrent leur exploration bien loin, de tous côtés, mais en vain. Pourtant, au moment où le découragement s'était emparé d'eux, et où ils se préparaient à renoncer et à rentrer au camp, l'un d'eux dit ⁇ Mon frère, je vois un bison au loin, qui vient vers nous ⁇ Ils l'observèrent, qui se rapprochait, et l'autre jeune guerrier s'exclama ⁇ Ce n'est pas un bison qui vient là, mais une femme ⁇ C'était une femme, d'une beauté que les mots sont bien pauvres pour décrire. Elle avait un visage radieux, et elle semblait flotter plutôt que marcher. Elle était vêtue d'une peau de serre blanche, bordée de franges, mais sans aucun ornement. Qui l'enveloppait comme une robe longue. Ses cheveux, dénoués, flottaient doucement au vent. Du côté gauche, y était accrochée une touffe de poils de bison. Quand cette étrange femme fut proche jusqu'à la toucher, un des deux éclaireurs déclara Cette fille est toute seule Sa beauté dépasse l'imagination Je vais m'allonger avec elle Mon frère il ne fais pas ça, ce n'est pas une femme ordinaire. Tu ne vois donc pas qu'elle marche au-dessus du sol sans que ses pieds touchent la terre Mais l'autre refusa de l'écouter, et il tendit la main pour la toucher. Alors, un nuage s'abattit sur lui, et quand il se dissipa, il ne restait du guerrier qu'un tas d'os. Cette étrange femme s'adressa alors à l'autre éclaireur. Ton ami avait des pensées impures, et il a été puni de son manque d'humilité. Je suis envoyé par la nation du Bison, et j'apporte un message pour ton peuple, un message d'une extrême importance. Retourne dans ta tribu, et raconte-leur ce qui s'est passé. Demain, au lever du soleil, je viendrai jusqu'à votre camp. Dis au peuple que tout doit être prêt pour ma visite. « Dis-leur de dresser un tipi spécial, dont la porte soit orientée dans la direction où le soleil disparaît le soir, que le sol soit en soie parsemé de sauge, avec trois bâtons, deux dressés, un coucher, que l'on fabrique un râtelier devant lequel on posera un crâne de bison. Veillez aussi à préparer un carré de terre soigneusement aplani, que tout soit sanctifié. À présent, « Repars vers ton camp, sans te retourner. Le jeune guerrier suivit ses instructions. Il rapporta au chef Standing Olo Horn ce qui était arrivé à son ami et les exigences de cette étrange femme. Avec l'aide de l'ensemble du peuple, le chef fit tous les préparatifs pour cette visite. Leia le héros, sillonna le camp pour demander à tous les hommes femmes et enfants de se rassembler au lever du soleil pour souhaiter la bienvenue à cette femme wakane, qui veut dire sacrée. Aux premières lueurs de l'aube, la jeune femme sacrée apparut, dans la même tenue que la veille. Elle tenait au creux des mains la ptéchinchala ulu tchanunpa, la pipe sacrée entre toutes, taillée dans l'os du jarret d'un jeune bison. Cette pipe n'était pas de fabrication humaine. Mais c'est Wakat le Créateur qui l'avait façonné. Ptesanouin, femme bison blanc, car tel fut son nom désormais, marcha sur les brins de sauge répandus sur le sol, en chantant Nia Tani nyan", on voit mon souffle monter. Mawan et je marche, Oya Tele, vers cette nation. Imawani, je suis en marche. Na et Ota Ninyan, on entend ma voix. Mawaniye, je marche. Niya Taniyan, on voit mon souffle monter. Mawaniye, et je marche. Malutale, cette chose rouge sacrée. Imawaniye, c'est pour elle que je marche. Tessanouine pénétra dans la hutte préparée à son intention, où elle s'assit à la place d'honneur. Puis elle entama un chant. Mettez cette pipe sacrée au centre. Adressez vos prières à Wakantanka, le Créateur. Cette pipe, c'est lui qui vous l'a offerte. Elle se tourna vers l'ouest, dont la couleur est noire, et leva la pipe. Je fais cette offrande aux Wakinyan, les grands êtres ailés. Je leur adresse mes prières. Puis, elle se tourna vers la droite, en direction du nord, dont la couleur est le rouge, et leva la pipe. Au tourbillon et à tout ce qui se déplace en cercle. Au vent et aux quatre directions sacrées, je fais offrande. Elle se tourna vers l'est, dont la couleur est le jaune, pour présenter la pipe. Le soleil se lève, qui nous offre une nouvelle journée, qui rend grâce pour tout ce qui vit. Elle se tourna vers le sud, dont la couleur est le blanc, en priant, Je rends grâce au monde des esprits, le monde qui se trouve au-delà. Quand elle eut bouclé le cercle, elle leva la pipe bien haut vers le ciel, pour prier et instruire le peuple. Je suis vos cœurs. Nous ne formons qu'un, un peuple, un esprit. Nous sommes la nation du bison. Puis elle chanta. Je vous donne cette terre. Vous y marchez d'un pas sacré. Vous marchez en parfait équilibre avec Unchi, notre grand-mère, la terre. Je vous donne cette pipe sacrée. « Avec elle vous prierez, pour tout ce qui vit, pour les créatures qui marchent, qui volent, qui nagent et qui rampent. » Elle ajouta, « Un jour je reviendrai, et ce sera pour toujours. Alors commencera une nouvelle vie et une nouvelle intelligence. » Le chef, Standing Hollow Horn, s'adressa à la jeune femme bison. Ma sœur, tu es venue pour nous consoler en temps de détresse. Nous avons coutume d'offrir à manger à nos hôtes, mais nous sommes pauvres et nous ne pouvons t'offrir que de l'eau. Sur ces paroles, il plongea une tresse wachanga de la glycérie odorante dans une corne de bison remplie d'eau de pluie qu'il offrit à la jeune femme. Elle le remercia. Tu n'aurais pu m'offrir de festin plus agréable. Puis elle lui apprit à bourrer la pipe de tabac sacré, à l'allumer à l'aide d'un morceau de bouse de bison rougi au feu, et à la fumer de la manière appropriée à une cérémonie. Au peuple Lakota, elle donna les sept rituels sacrés. L'inipi, ou purification par la loge de sudation la quête de vision la danse du soleil la garde de l'esprit lishnati allons wampi ou rite de la puberté des jeunes filles l'apparentement et le lancer de balles aux hommes elle déclara vous possédez la force vous devez protéger et agir avec bienveillance envers ceux qui sont sans défense les femmes et les enfants vous devez partager votre nourriture avec ceux dont la faiblesse physique ou l'âge les empêche de subvenir à leurs besoins vous devez prier avec cette pipe vous les sans arcs vous avez été choisis pour recevoir ce présent mais il appartient à toutes les nations rouges. Aux femmes, Ptessanouin déclara Vous n'avez pas la force, mais vous êtes forte. C'est votre force qui maintient l'unité de la famille. Vous qui donnez la vie, vous êtes le ventre de la nation. Vous aimez les enfants. Vous montrez de la bienveillance envers tout ce qui vit. Wakan vous aime. Et aux petits-enfants, elle dit, vous êtes encore petits, mais vous allez grandir pour devenir des hommes et des femmes qui marcheront sur la voie de la pipe sacrée. En transmettront cette étincelle à la génération suivante. Vous êtes béni.